En 2022, l'État a apporté un soutien financier pour réaliser des diagnostics territoriaux sur le maillage vétérinaire. Donc, l'Île-de-France a réalisé un diagnostic et à la suite de diagnostic est né le projet maillage vétérinaire en Île-de-France, à la suite desquels les 4 axes d'action ont été établis, dont un axe qui porte sur l'expérimentation de la télé-expertise vétérinaire. Donc c'est dans ce cadre qu'on teste les lunettes connectées. Et on a reçu un financement du préfet de région Île-de-France dans le cadre du projet maillage vétérinaire pour alimenter la réflexion et expérimenter des pistes d'action pour renforcer le maillage dans la région, ainsi qu'un soutien financier de la région Île-de-France pour acquérir la paire de lunettes connectées. Et donc la Chambre d'agriculture de région Île-de-France a contacté la société AMA, donc AMA. Donc à la suite d'échanges avec la Chambre d'agriculture de Pays de la Loire qui ont déjà fait appel à eux également dans le cadre de télémédecine vétérinaire. Et à la suite donc, des échanges qu'on a pu avoir, on a opté pour bien s'orienter vers cette société pour réaliser l'expérimentation. On s'est aussi tourné vers l'École nationale vétérinaire d'Alfort qui fait partie du comité de pilotage du projet maillage vétérinaire en Île-de-France et qui était d'accord pour réaliser les tests en tant que notamment vétérinaire expert pour accompagner les vétérinaires à distance sur le terrain. Dans le cadre du maillage sanitaire, on est face à un déficit de vétérinaires ruraux en Île-de-France. Et pour essayer de combler ce déficit, on va essayer d'aider des vétérinaires motivés à prendre en charge des animaux de ferme. Donc que ce soit par exemple des jeunes diplômés qui ont besoin de prendre confiance, ou des vétérinaires canins qui auraient besoin d'un petit support. Et donc la télé-expertise va nous permettre d'apporter ce soutien aux vétérinaires qui seraient d'accord de prendre en charge des animaux de ferme. La télé-expertise, ça consiste à avoir un vétérinaire formé aux animaux de ferme qui accompagne des vétérinaires pour la prise en charge des animaux de ferme. Donc le vétérinaire, sur le terrain, il a des lunettes connectées et l'image et le son sont envoyés en direct aux vétérinaires plus expérimentés. Et comme ça, ils peuvent communiquer au cours de la consultation ou alors avant une consultation ou après. Ça peut être aussi au cours d'une visite d'élevage, par exemple. Et l'objectif, c'est que le vétérinaire canin ou le jeune diplômé puisse poser toutes ces questions aux vétérinaires plus expérimentés pour lui venir en aide. Voilà. Pour le moment, on est encore en phase de test. Donc, on va tester les lunettes connectées pendant 2-3 mois à l'école vétérinaire d'Alfort avec des étudiants et avec des internes, donc des jeunes diplômés, pour mieux se rendre compte de ce que le vétérinaire peut nous apporter comme information pour mieux répondre à ses besoins. Les remontées de terrain sont assez bonnes, même si pour le moment on en manque encore un petit peu. Il faut simplement une phase d'adaptation au port des lunettes et voilà. Donc Julie Roy, je suis responsable commerciale de la société AMA, qui est une société bretonne et qui développe une solution de collaboration en live à destination des travailleurs en situation de mobilité. Donc c'est une solution qui s'appelle Expertaille et qui va se permettre de s'adapter à des réseaux potentiellement compliqués, c'est-à-dire de faibles bandes passantes ou des réseaux très spécifiques, et qui s'adaptent à des appareils qui sont faits pour être utilisés en situation de mobilité, notamment des lunettes connectées. Dans le cadre du projet maillage vétérinaire de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France et plus précisément l'enjeu de la télé-expertise vétérinaire, on va équiper un vétérinaire qui est en situation d'intervention avec la lunette connectée. Et c'est un dispositif qui permet de pouvoir communiquer avec un observateur distant qui va voir exactement ce que la lunette connectée filme, donc à peu près le champ de vision de celui qui les porte. On a à l'intérieur de ce dispositif aussi un micro, un retour son pour pouvoir parler et entendre. Et on a un retour écran pour visualiser pas mal d'informations que l'observateur distant, donc potentiellement le vétérinaire expert, puisse partager avec le vétérinaire en intervention. Et la première information que l'on va renvoyer dans cet écran, c'est tout simplement ce que filme la caméra pour être sûr d'avoir un bon angle de vue. Et donc en live, on va pouvoir avoir deux vétérinaires qui vont non seulement se voir, s'entendre et se parler, mais aussi pouvoir collaborer avec notamment des fonctionnalités d'échange de photos, d'annotations, de zoom,
Donc une vraie collaboration en situation de mobilité. La lunette connectée, pour être plus précise, on va pouvoir la connecter à un Wi-Fi ambiant ou à un routeur 4G, 5G disponible. On n'est pas sur une solution gourmande. XperTile va nécessiter à peu près 1 mégabit par seconde de bande passante, montant, descendant. Donc même si on est un petit peu moins que ça, on va potentiellement avoir un live avec une qualité de live forcément réduite, mais on va être efficient même dans des réseaux compliqués.